Rappelons qu'Amnesty International, dans son rapport sur la situation en Côte d'Ivoire du 16 novembre 2020, a clairement indexé les autorités ivoiriennes sur les cas de violence et d'impunité qui règnent en Côte d'Ivoire. Il a enjoint le régime d'Abidjan à enquêter et livrer les auteurs de ces actes d'atrocité à la justice. J'apporte également mon soutien à tous ceux et celles qui sont privés de leur liberté individuelle sans la moindre procédure juridique élémentaire. Je renouvelle mon engagement à continuer à interpeller le chef de l'État, les organisations nationales et internationales des droits de l'homme pour leur libération sans condition.